Télécom Sud Paris, l'esprit d'entreprendre. N'avez-vous jamais voulu voir une de vos idées se concrétiser par vos propres moyens? Car pour favoriser l'émergence de jeunes entreprises des TIC à fort potentiel d'innovation, de développement et de création d'emplois, Télécom Sud Paris a créé un important dispositif d'aide à la création d'entreprises. Tout cela a commencé par l'incubateur de Télécom Sud Paris, fondé il y a déjà 12 ans. Animé par une équipe d'experts, le programme d'aide à la création d'entreprises de l'incubateur s'appuie sur une ample gamme de services et de ressources. Accompagnement, ingénierie de projet, incubation, information, conseil, financement, communication, réseau relationnel. Son objectif est de favoriser l'éclosion et le succès d'entreprises en facilitant les collaborations avec les laboratoires de recherche, les fonds d'investissement et les interactions avec les étudiants et les diplômés. C'est pour ces raisons que l'incubateur est notamment soutenu par le ministère de l'Économie, la région Île-de-France et le département de l'Essonne. L'esprit d'entreprendre et le goût de l'innovation sont des traits caractéristiques de l'ingénieur. Pour cette raison, l'école organise le challenge Projet d'entreprendre, premier concours de création d'entreprise en France, en collaboration avec Télécom École de Management. En une semaine, près de 400 étudiants, réunis en équipe mixte, ingénieurs, managers, mettent la diversité et la complémentarité de leurs compétences et cultures au service de la créativité et de l'innovation. Elles travaillent sur une idée de produit ou de service à très fort contenu technologique dans le domaine des TIC et construisent leur projet en justifiant de sa pertinence économique et financière. À l'issue du concours, certains projets peuvent être poursuivis en étant hébergés par l'incubateur commun à Télécom Sud Paris et Télécom École de Management. En tant que partenaire du challenge, l'Université Virginia Tech offre aux gagnants la possibilité de participer au VT Knowledge Work Global Student Challenge afin de concourir face à des startups internationales et de pouvoir gagner la somme de 25 000 $. D'ailleurs, pour favoriser l'innovation, Télécom Sud Paris et Télécom École de Management organisent depuis 2010 le trophée Startup Numérique, une première en Île-de-France. Ce concours s'adresse à tous les porteurs de projets de création d'entreprises innovantes du web, du mobile et de l'informatique, ou aux jeunes entreprises de moins d'un an. Tout cela dans l'objectif de détecter les futures pépites françaises. À vous maintenant. Avez-vous l'esprit d'entreprendre ?